On va parler réseaux sociaux parce que vous êtes très nombreux à voir les réseaux sociaux et peut-être à être sollicités sur les réseaux sociaux comme Yannick Vinel qui est très régulièrement sollicité. D'ailleurs, on a reçu un message ce matin de Jean-Laurent qui nous a dit que Yannick Vinel était très mignon. Voilà, mignon, ça n'engage à rien. Oui. Voilà. Et tout le monde sait que Yannick est mignon, c'est pas non plus un scoop. Non, mais ça te fait plaisir, Yannick, de recevoir tous ces messages d'amour? Écoute, non, honnêtement, je suis très flatté. Merci à lui, merci à eux, merci à elle, merci à tout le monde de me suivre de plus en plus sur mes réseaux sociaux, vraiment. Et on le remercie. Et il me semble d'ailleurs que c'est ton biographe, Guillaume, c'est ça? Mon biographe, j'ai pas de livre, j'ai pas de biographie. Oui, Diane. Alors, je vois les messages là. Et. Alors, Jean-Laurent dit que la prochaine fois qu'il vient, il aimerait bien prendre un café avec. Arrêtez, non, s'il vous plaît, là, ça devient trop gênant. Mais un café, ça n'engage à rien. Je vois pas où le. Non, là, c'est vous qui voyez mal partout parce que je pense que c'est professionnel, moi. Bon, les amis, on va parler de réseaux sociaux et j'ai les astuces pour percer sur Twitter, ouais, exactement. Ça, c'est mieux. Déjà, sachez que le nombre de likes et de retweets, c'est 30 fois plus important que les réponses sur les tweets. Ah bon? Parce que, en fait, quand vous faites un tweet qui a, entre guillemets, percé, on dit qu'il y a, quand il y a plein de réponses en dessous, plein de réactions, c'est important. Mais non, vaut mieux avoir des likes ou des retweets. Ensuite, ne jamais mettre d'offense dans vos posts, sinon le tweet va mourir et on n'entendra plus jamais parler. C'est si bien, vous insultez les gens, c'est mort. Ça nettoie naturellement comme ça. Si le compte est vérifié, les tweets sont boostés, mais ça maintenant c'est facile, il faut juste payer les certifications. C'est combien maintenant? 20 euros, c'est ça? 10, 11 euros. Mais c'est honteux parce que ça perd les gens. Toutes les célébrités, elles vont perdre leur certification parce qu'il faut payer. Il y en a qui vont pas vouloir payer. Ouais. Et s'il y a un gars qui dit, par exemple, j'ai n'importe quoi, Justin Bieber, il envoie une fausse carte d'identité. Mais il aura pas un tweet, je crois que c'est la couleur qui change. Par exemple, si t'es une vraie célébrité, genre le président maintenant, il est doré, c'est ça? Non, c'est gris. Ça passe, il y a les grises. Incroyable. Si le compte est vérifié, donc les tweets sont boostés. Avec une image ou une vidéo dans le tweet, c'est encore deux fois plus boosté. Donc n'hésitez pas à mettre une petite photo ou une vidéo. Et si un compte a plus d'abonnements que d'abonnés, il y a une perte de visibilité. En gros, il faut avoir beaucoup d'abonnés et peu d'abonnements. Ça montre que vous êtes un mec ou une meuf un peu mystérieuse. Oui, Fabien. Est-ce que ça existe d'avoir des retweets négatifs? C'est-à-dire en fait en dessous de zéro. Est-ce que ça existe ça? Non. Bah donc, pas de panique, Yannick. Hein. C'est voilà, il y a pas de problème, il y a pas de bug, c'est juste que ton contenu intéresse personne. Hein. C'est bizarre ça. Tiens, je vous ai fait une petite sélection des meilleurs trucs qu'on a vu là sur les réseaux. Il y a Close Follow qui dit au travail on m'appelle 007, zéro compétence, zéro motivation, 7 post-club. Un tweet de Jean Eudes. Mes nouveaux colocs qui affirment que la maison est hantée alors que j'ai jamais rien vu d'anormal en 250 ans. Quel beau trait d'esprit. Tweet de Thomas. Quand le gouvernement dit ne mangez pas gras, salé, sucré, la Bretagne crie caramel au beurre salé. Ah bah c'est le frère de Fabien. Ouais. Tweet de Pomplamousse. Ma diététicienne, il faut éviter les 3 P, pommes de terre, pain, pâte. Moi soulagé, heureusement qu'il n'y a pas de P à raclette. Ah, c'est bon ça. Tweet de Med, si vous entendez parler d'un pic d'audience sur TFX, c'est moi, la télécommande vient de tomber du canapé, j'ai la flemme de ramasser. Ah, tweet de Gary, Manuel Valls, à chaque fois qu'il perd, il annonce qu'il arrête définitivement, on dirait moi quand je prends une cuite. Et enfin, dernier, tweet de Puce, je suis heureux de vous annoncer que j'ai fini de monter ma commode Ikea, toute seule sans les plans, finalement c'est un tabouret. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.